Vous êtes sur RTL. RTL Soir vous est présenté par Philippe Robuchon. Bonsoir Philippe. Bonsoir Laetitia, bonsoir à toutes et à tous. Qui seront les adversaires des Bleus lors de l'Euro 2020 de football? Réponse dans l'heure qui vient. Le tirage au sort débute dans 30 minutes à Bucarest. Vous pourrez le suivre sur RTL à partir de 18h30 en compagnie de Nicolas Georgerot et du service des sports. Bichente Lizarazu va vous dire également ce qu'il en pense entre 20h et 21h. À Londres, au lendemain du drame, la polémique. L'assaillant qui a tué deux personnes et en a blessé trois autres avait déjà été condamné pour des faits de terrorisme. Il venait de passer 8 ans en prison. Que faire de ces anciens détenus lorsqu'ils retrouvent la liberté? On posera la question tout à l'heure à notre invité, le spécialiste du terrorisme, Jean-Charles Brizard. Autre polémique en France cette fois, après la mort de 13 de nos soldats au Mali. Deux dessins du journal satirique Charlie Hebdo provoquent l'indignation du chef d'état-major de l'armée de terre, Raphaël Vantard. Va vous dire pourquoi. On ira également en Bretagne où le blocage des dépôts de carburant commence à provoquer des premières pénuries d'essence. Football, 15e journée de Ligue 1. Depuis 17h30, le Racing Club de Strasbourg reçoit l'Olympique Lyonnais. Yann Nicolan, bonsoir. Bonsoir, 28 minutes de jeu à la méno et ce sont les Strasbourgeois qui mènent 1-0. Un but de Youssouf Fofana tout à l'heure à la 21e minute sur une action collective d'école et les Lyonnais poussent pour revenir. Merci Yannick. Les courses, Quintet Plus cet après-midi à Vincennes. Combinaison gagnante, 12, As, 8, 9 et 4. À 18h25, mon métier, ma passion, avec vous, Armel Lévy, bonsoir. Bonsoir. À 18h20, mon métier, ma passion, ce soir, une très belle invitation au voyage. Avec Alain Sauter, il est le seul et unique artisan fabricant de globes terrestres en France. À tout à l'heure, Armel. Le temps, bien médiocre demain sur la moitié est. Attention, de fortes pluies sont attendues dans le sud-est. Le Var et le Vaucluse viennent d'ailleurs d'être placés en alerte orange. On aura de la neige en montagne et même peut-être quelques flocons au nord de la Seine. Prévision détaillée, Valérie Quintin, dans un petit quart d'heure. RTL Soir. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Dans moins d'une demi-heure, on refait le match sur RTL. Vous allez nous dire qui seront peut-être les adversaires des Bleus, puisque c'est le tirage de l'Euro 2020, c'est à Bucarest en Roumanie. Tirage un peu plus compliqué que d'habitude, hein, puisque l'Euro sera disputé dans 12 pays différents, on le rappelle. Je rappelle au passage les dates, 12 juin, 12 juillet prochain. Alors, question la plus importante, Nicolas, qui peuvent être nos adversaires? Alors, il faut d'abord procéder par élimination. Les Bleus sont déjà assurés de ne pas croiser notamment la Belgique et les Pays-Bas au premier tour. En revanche, ils n'échapperont pas à l'un de ces quatre pays de premier plan, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Allemagne. Didier Deschamps, le sélectionneur, vient de prendre place il y a quelques instants dans l'auditorium à Bucarest, en Roumanie. Il est au micro de Julien Babou d'M6. Anxieux, on est là, comme tous les autres. On verra bien ce qui nous attend. On saura nos adversaires, où on jouera. C'est des données importantes avant de planifier toute la préparation en fin de saison. Alors pour le tirage, le danger viendra du chapeau 3, où se trouvent le Portugal, champion d'Europe en titre, et la Turquie. Ce serait un tirage relevé, mais également l'Autriche et la République tchèque. Et là, ce serait un tirage plus aisé dans ce cas-là. Alors Nicolas, autre particularité ce soir, les Bleus ne connaîtront pas forcément tous leurs adversaires. Exactement, parce que dans ce montage complexe établi par l'UEFA, 4 places restent encore à attribuer, 4 qualifiés connus seulement après les barrages en mars prochain. Et cette situation risque de se produire à 75% pour les Bleus. On n'aura donc sans doute ce soir que le nom de 2 futurs adversaires des champions du monde. Alors, autre question, où se joueront ces matchs pour les Bleus comme pour les autres équipes? Ça a son importance. Bah oui, parce que ce peut être le grand écart sur cette question. Le staff des Bleus souhaite établir le camp de base à Clairefontaine pendant la compétition. Un cas de figure poserait problème si la France se trouve dans le groupe A, qui se jouera à Rome et à Bakou. Les distances ne sont pas les mêmes. 4500 km de Paris pour allier l'Azerbaïdjan. Les Bleus pourraient séjourner à l'étranger. Merci Nicolas Georgerot. Soyez prêts donc tout à l'heure à partir de 18h30 pour ce tirage. RTL Soir. Philippe Robuchon. En Grande-Bretagne, le gouvernement promet de faire toute la lumière sur le drame qui s'est joué hier à Londres. Un homme de 28 ans a poignardé plusieurs personnes sur le London Bridge. Bilan, 2 morts, 3 blessés. Acte aussitôt qualifié de terroriste. On va revenir dans un instant sur l'enquête et un début de polémique puisque l'agresseur est un ancien détenu déjà condamné pour terrorisme. Mais d'abord, je vous propose un témoignage, celui d'un Londonien qui a tout vu, qui a même participer à la neutralisation du tueur. Il s'appelle Steve Hurst. Il était dans sa voiture. Il a d'abord cru à une simple bagarre. J'ai vu que c'était un homme qui était plaqué à terre. Les gens qui le tenaient criaient qu'il venait de poignarder 2 femmes. Tout le monde était sur lui pour essayer de l'obliger à rester à terre. Il avait toujours son couteau recouvert de sang à la main. J'ai commencé à lui donner des coups de pied. J'ai visé la tête.
On faisait tout ce qu'on pouvait pour qu'il lâche le couteau, qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Tous ces gens étaient incroyables, de vrais héros. Et quand il a lâché l'arme, elle est tombée sur un coin du trottoir et un homme en costard cravate l'a attrapée et s'est éloigné avec. La police est arrivée sur les lieux en quelques minutes. Ils nous ont tous tirés pour qu'on s'éloigne de l'individu. Témoignage donc d'un Londonien qui a tout vu de l'attaque d'hier sur le London Bridge. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Vous êtes en direct de Londres pour RTL. Est-ce qu'on en sait plus ce soir sur ce terroriste de 28 ans ? Oui, on sait qu'avant son arrestation en 2010, il était un protégé du prêcheur extrémiste Anjem Choudhary, lui aussi récemment libéré et actuellement en liberté surveillée. Ousmane Khan aurait alors participé avec 8 autres hommes à la préparation de plusieurs attentats à la bombe à Londres, notamment sur la Bourse de Londres. Les services de renseignement avaient pu déjouer leur plan, mais quand Ousmane Khan avait été condamné en 2012, le juge avait estimé que le jeune homme était l'un des djihadistes les plus endurcis du groupe. Après sa condamnation en 2013, Ousmane Khan aurait cependant demandé à intégrer un programme de déradicalisation, c'est ce qu'a déclaré son avocat d'alors. Il a aussi précisé que l'aide disponible dans le système carcéral n'était pas appropriée et que le jeune homme aurait pu être re-radicalisé à sa sortie de prison. Alors Marie, le fait qu'il soit sorti de prison précisément l'an dernier provoque une polémique. Je rappelle qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle après avoir effectué seulement la moitié de sa peine. Il avait été condamné à 16 ans de réclusion, il n'en a fait que 8. Le Premier ministre Boris Johnson donc s'en est mêlé. Oui, il l'avait déjà dit cet été et il l'a répété après cette attaque. Boris Johnson veut remettre à plat le système de libération conditionnelle automatique une fois la moitié de la peine purgée. Les autres partis ne l'ont pas rejoint sur ce point. La gauche critique la baisse du nombre de policiers dans les rues depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs. Le maire de Londres, travailliste, lui regrette la décision en 2012 d'abroger les peines sans fin pour les criminels les plus dangereux. Ousmane Khan avait lui-même été condamné à cette peine qui permettait de garder indéfiniment derrière les barreaux toute personne étant jugée comme un risque que pour la sécurité du public. Il avait fait appel après l'abrogation et avait écopé de cette peine de 16 ans finalement. Cet après-midi, le père d'une des deux victimes décédées hier, Jack Merritt, a déclaré que son fils n'aurait pas voulu que sa mort soit utilisée pour renforcer les peines de prison. En tout cas, la campagne des élections reprend tout doucement et le thème de la sécurité s'est clairement invité dans les programmes. Merci Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Je vous rappelle que dans quelques minutes, on serait en ligne avec Jean-Charles Brizard, spécialiste du terrorisme, car cette affaire suscite des interrogations dans tous les pays concernés, y compris en France. Que faire des individus qui retrouvent la liberté après avoir été condamnés pour terrorisme ? On lui posera la question. À Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne, plusieurs centaines de personnes ont participé ce matin à une marche silencieuse. Elles ont rendu hommage à l'adolescente de 15 ans et au chauffeur d'un camion qui avait été tué lors de l'effondrement d'un pont le 18 novembre. La famille de la jeune fille a lancé un appel au calme après des menaces à l'encontre de la famille du chauffeur du poids lourd qui n'aurait jamais dû emprunter ce pont à cause du poids excessif de son convoi. Encore des sites d'Amazon bloqués aujourd'hui à Besançon, notamment Nantes ou Montélimar, à chaque fois par des militants d'attaque, d'extinction, rébellion ou d'autres organisations altermondialistes. Toutes dénoncent une surconsommation irréfléchie à l'occasion du Black Friday. Dans un instant sur RTL, l'hommage à l'un des 13 soldats français tués cette semaine au Mali. Et puis l'indignation du chef d'état-major de l'armée de terre après des dessins satiriques de Charlie Hebdo. RTL Soir. RTL Soir. Philippe Robuchon. Dans le Lot-et-Garonne, environ 200 personnes se sont rassemblées ce matin devant le monument aux morts de cette commune de Lérac, près d'Agen. Un hommage bouleversant à l'adjudant-chef Julien Carrette, l'un des 13 soldats français tués en début de semaine au Mali lors d'une collision, vous le savez, entre deux hélicoptères. Julien Carrette était âgé de 35 ans, il était père de deux enfants. Cérémonie suivie pour RTL par Jean-Marc Terrier. Une photo de Julien est posée sur un chevalet devant le monument aux morts. Sur la place du village, anonymes, amis et officiels se sont rassemblés autour des parents et de la sœur de l'adjudant-chef Carrette, soudés et unis dans une peine immense. Les premiers mots sont ceux du maire de Lérac, Michel Constant. L'annonce brutale de sa mort en mission a bouleversé notre village. Julien Carrette était très impliqué dans plusieurs associations communales. Au club de basket, Charlie Bousquet a été son entraîneur. Ça a été vraiment une vive émotion sur toute la ville, tout le village. Je l'ai connu à l'âge de 10 ans. Il a joué 4-5 ans chez nous. On a fait remémoriser les photos qu'il y a eu, qu'on a revisionnées. C'est vrai que ça fait mal au cœur.
Ultime recueillement devant la photo portrait sur fond tricolore. Son père hurle de douleur. Reviens ! Julien revient. La foule honore une dernière fois le soldat en applaudissant. Reportage de Jean-Marc Terrier à Lérac dans le Lot-et-Garonne pour RTL. Je rappelle que lundi, la nation rendra hommage aux 13 militaires français tués au Mali. Emmanuel Macron présidera une cérémonie dans la cour des Invalides. À propos de ce drame, deux dessins du journal satirique Charlie Hebdo provoquent ce soir l'indignation de l'armée. Bonsoir Raphaël Vantard. Bonsoir. Le dessinateur Biche a détourné des affiches d'une campagne de recrutement. Alors que voit-on concrètement sur ces dessins ? Alors l'un d'eux montre Emmanuel Macron incliné devant un cercueil dans la cour des Invalides avec ces mots: j'ai rejoint les rangs pour sortir du lot. Un autre dessin montre un squelette portant l'uniforme de l'armée française avec cette légende: je protège mon pays, je progresse dans ma vie. Avec ces dessins, Charlie Hebdo renoue avec sa tradition de satire acide anti-militariste, mais la caricature choque toute l'institution militaire. C'est donc le chef d'état-major de l'armée de terre en personne ce soir qui monte au créneau. François Burcard écrit une lettre ouverte à Riss, le directeur de la publication de Charlie Hebdo. Le temps du deuil de ces familles a été sali, écrit est-il, par des caricatures terriblement outrageantes. Puis il poursuit avec cette question: qu'avons-nous fait, nous, soldats de l'armée de terre, pour mériter un tel mépris? Qu'avons-nous fait pour qu'avec une telle désinvolture soient raillés ceux qui ont donné leur vie pour défendre nos libertés fondamentales? Cette lettre ouverte du général Burcard se termine par une invitation au directeur de la publication de Charlie Hebdo: joignez-vous à nous, monsieur Riss, vous qui avez souffert dans votre chair de l'idéologie de la terreur, venez témoigner à ces soldats la reconnaissance qu'ils méritent. Raphaël Vantard, merci. En politique, Julien Bayou, assuré d'être le nouveau patron d'Europe Écologie Les Verts. Âgé de 39 ans, il devrait officiellement succéder à David Cormand, devenu député européen. Chez les Républicains, Christian Jacob a prononcé tout à l'heure le discours d'ouverture lors du Conseil national. À quelques jours de la mobilisation du 5 décembre, il a fustigé, je cite, les fausses promesses et l'échec de la méthode Macron pour réformer les retraites. Avant d'ailleurs, tiens, cette grève du 5 décembre, et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la réforme des retraites, des dépôts de carburant sont déjà bloqués depuis hier. Au moins 4 au Mans, dans la Sarthe, à Verne-sur-Sèche, en Ille-et-Vilaine, ainsi qu'à Brest ou encore à Lorient. Les professionnels du bâtiment protestent contre une décision du gouvernement qui veut leur supprimer un avantage fiscal sur le gazole non routier. Conséquence, Nicolas Bobby, eh bien déjà plusieurs stations du Grand Ouest sont à sec. Eh bien du coup, la chasse à l'essence a commencé. Exemple, à Vannes. Cette station-service à bas prix du centre-ville a encore du carburant. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Même sous la pluie, les automobilistes affluent. J'essaie de compléter, je fais 60 km par jour, donc j'ai peur d'en manquer. Mais le problème, c'est surtout les gens qui font du stock. On organise un peu la pénurie. Mais les jerrycans, ça devrait être interdit par contre. À la pompe voisine, ce conducteur est pris la main dans le pot de confiture. C'est un jerrycan. Petit jerrycan. Non, c'est ceux qui prennent surtout les jerrycans de 20-30 litres qui vident. Après, tout le monde est dans la merde. C'est surtout ça le problème actuel. Quelques automobilistes redoutaient la panne. J'ai fait mes courses à pied, je suis revenu trempé, donc je ne peux pas non plus toujours être sous la pluie. Je mets 20 en route et tout. Quand il n'y aura plus d'essence, il n'y en aura plus. J'irai plus travailler. Moi je suis à sec, là, j'ai plus rien. Donc là, j'ai vraiment besoin. Un samedi surréaliste, le tiroir caisse a chanté tout l'après-midi. Nicolas Bobby à Vannes pour RTL. À Paris, plusieurs centaines de personnes ont marché cet après-midi dans les rues à l'appel des associations de chômeurs. Elles ont défilé du siège du MEDEF jusqu'au ministère du Travail pour protester notamment contre la réforme de l'assurance chômage. 18h16, on revient au football et à la 15e journée de Ligue 1. Le match en cours, c'est Strasbourg-Lyon et je crois qu'il y a une égalisation, Yannick Collant. Exactement, un partout désormais entre Strasbourg et Lyon. C'est Maxwell Cornet qui vient d'égaliser. Superbe frappe du gauche dans la surface. Il a éliminé Mitrovic d'un petit crochet. Frappe imparable pour Matt Sells. Tout à l'heure, c'était les Strasbourgeois donc, qui avaient pris l'avantage à la 21e minute sur une action d'école. Un 1-2 côté gauche avec Ludovic Ajorc. Ludovic Ajorc qui s'enfonce et qui décale côté droit Youssouf Fofana dans la surface lyonnaise pour l'ouverture du score strasbourgeoise. Donc tout est à refaire pour les Alsaciens et les Lyonnais en tout cas qui sont présents. C'est
un match équilibré et assez agréable à suivre ici à la Méno. Il reste 3 minutes avant la mi-temps. Merci Yannick. Ce soir, 5 autres rencontres. Lille-Dijon, Montpellier-Amiens, Nice-Angers, Reims-Bordeaux et Nîmes-Metz. À suivre dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France, animé à partir de 19h30 par Christian Olivier. En Ligue 2, belle opération de 3 cet après-midi. L'Estac est allé gagner à Sochaux 1-0. En rugby, 10e journée de top 14. Là aussi, victoire à l'extérieur, celle de Bordeaux-Bègles qui est venue gagner 34-30 sur le terrain du Racing. Puis en handball, les Françaises, fidèles à leurs habitudes, elles ont encore perdu leur premier match du Mondial ce matin face aux Sud-Coréennes. Défaite 29-27. L'histoire se répète, puisqu'elles avaient déjà perdu leur match d'ouverture du Mondial il y a 2 ans et le match d'ouverture de l'Euro 2018, ce qui ne les avait pas empêchés dans les deux cas de remporter 15 jours plus tard la médaille d'or. Le temps, bonsoir Valérie Quintin, demain une journée bien maussade. Bonsoir, oui c'est vrai qu'il faut s'attendre à une météo très médiocre dans l'est du pays demain et notamment dans le sud-est. Les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse, 3 départements qui vont recevoir beaucoup de pluie toute la journée de demain, des pluies orageuses qui vont concerner également la région Rhône-Alpes dans sa totalité. Il va évidemment beaucoup neiger en montagne entre 1200 et 1800 mètres et on attend même quelques flocons en pleine au petit matin dans le nord du pays, au nord de la Seine principalement, des chutes de neige qui pourraient perdurer une grande partie de la journée. Et ça pourrait tomber aux alentours de 2 à 5 cm entre les Ardennes et la Lorraine. À l'arrière de tout cela, les régions de l'Ouest vont, elles, retrouver des éclaircies assez belles passé la grisaille matinale. Quant aux températures, elles iront de moins 1 à 11 degrés au réveil des Ardennes au Var, comptez 2 à 19 degrés l'après-midi avec 3 degrés à Charleville-Mézières, 4 à Évreux et à Blois, 5 degrés à Paris comme à Lille, 8 degrés à Trouville, 10 degrés sur Rodez et 19 degrés à Ajaccio. Merci Valérie. Dans un instant, l'invité de ce journal, Jean-Charles Brizard. Au lendemain de l'attaque de Londres, une question. Que faire des anciens détenus terroristes quand ils retrouvent la liberté ? RTL.